Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Oui, heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met son cœur et son âme dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui se confie au Sauveur de sa vie. Paix et joie à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi. Shalom à toi de là où tu es. Shalom à toi dans ton lieu de travail. Shalom à toi au sein de ta maison, dans ton foyer. Et nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un privilège encore de pouvoir nous tenir debout dans la présence de notre Seigneur. Un privilège encore de pouvoir venir encore dans sa présence pour encore chercher à voir sa face. Heureux sommes-nous qui nous nous confions dans le Seigneur. Heureux sommes-nous ceux qui se lèvent et qui ont une pensée vers ce Dieu-là. Heureux sommes-nous quand nous tournons nos regards vers le Sauveur de nos vies. Heureux sommes-nous quand nous nous laissons tout simplement conduire par l'Éternel Dieu des armées. Alors un privilège que tu te tiennes debout en ce matin pour encore lui dire merci. Merci pour le sacrifice à la croix. Lui dis merci pour son amour. Lui dis merci pour la miséricorde. Lui dis merci pour ses compassions pour ta misérable vie. Alors bien-aimé, de là où tu es, que tu puisses encore reprendre le psaume 1. Car heureux es-tu quand tu te confies dans le Seigneur. Et en ce matin encore, Éternel Dieu des armées, j'ai une pensée pour ton ami Lazare qui était mort. Et ses sœurs à côté qui pleuraient. Et quand tu es venu pris de tristesse et pris de compassion, tu jetas un regard sur ton ami Lazare en lui ordonnant de sortir de ce tombeau. Voilà pourquoi en ce matin, Éternel Dieu des armées, sans nous sommes de cœur et d'esprit avec tous nos anges et avec tous les saints et saintes du ciel, avec Marie, notre mère, que nous venons encore à tes pieds pleurer, te suppliant, demandant encore pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons refusé d'obtempérer à tes lois, à tes préceptes pour le salut de notre âme. En regardant Lazare, Seigneur, nous voulons tout simplement te demander, Abba, d'avoir pitié de nos misérables vies. Car tu puis dire dans ta parole que tu n'as de mépris et tu ne rejettes pas le pécheur, mais tu méprises le péché en lui-même. Tu rejettes la forme du péché en lui-même. Et épris d'amour, Seigneur, tu pries Lazare, ton ami avec toi. Et à cette même image, Seigneur, nous voulons que tu prennes tout un chacun de nous avec toi. Que tu prennes nos maisons, Seigneur. Que tu prennes nos foyers, Seigneur. Que tu regardes, Seigneur, à ce péché-là qui nous empêche de véritablement être un avec toi. Et que tu nous aides, Seigneur,
à quitter cela. À quitter cela, Seigneur, pour pouvoir de nouveau renouer notre amitié avec toi. Renouer nos liens avec toi. Et tout comme Lazare, que tu puisses nous ordonner de sortir de nos tombeaux, les tombeaux de nos péchés. Ces péchés-là qui nous empêchent de voir ta face. Alors Seigneur, pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, relève-moi de tous mes tourments. Relève-moi parce que le péché m'a éloigné de ta présence. Relève-moi, Seigneur, parce que je me suis mise avec les méchants pour parler d'autrui. Je me suis mise avec les méchants pour injurier le prochain. Je me suis mise avec le prochain pour blasphémer contre toi. Alors Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi dans ce désert dans lequel je suis et que je crie à toi. Rabouni, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Rabouni. Ne retiens pas mes fautes et ne m'éloigne pas de ta présence. Seigneur, en ce matin et tout au long de mes jours, que mon regard ne s'éloigne pas des plus petits et des plus fragiles. Alors tout comme Lazare, je connaîtrai la consolation. Alors tout comme Lazare, je pourrai sortir de mon tombeau. Alors tout comme Lazare, là où ma maison était pourrait sortir de son tombeau. Tout comme Lazare, mon foyer pourrait sortir de son tombeau. Relève-moi, Rabouni, relève-moi, Rabouni, relève-moi, Rabouni, relève-moi, Rabouni, car je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. Relève-moi, car je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi.
Seigneur, pardonne-nous et relève tout un chacun de nous. Telle est la prière que nous faisons monter en ce matin avec Marie, notre mère, Seigneur. Ne regarde pas, Seigneur, à nos bassesses, ne regarde pas à nos manquements, mais jette un regard d'amour sur tout un chacun de nous. Car pour nous, tu t'es donné à la croix. Car pour nous, Seigneur, tu t'es sacrifié. Par amour, Seigneur, tu n'as pas regardé à nos rejets et tu es allé te donner. Alors relève tout un chacun de nous. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est dans cet élan de miséricorde, d'abandon et d'amour que je te souhaite de passer une excellente et sainte journée dans la présence de notre Seigneur et qu'il agrée encore en ce matin à ton effort de ce jour, à ton jeûne de ce jour et que tes cris parviennent jusqu'à lui. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.